Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, toujours très content de vous retrouver, surtout lorsqu'il s'agit d'aller faire un petit tour du vélo et lorsqu'il fait beau comme ça, comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui les mecs, petit bolide à vous présenter. Franchement, c'est l'un des plus beaux vélos, je trouve, au niveau du design qu'on a présenté jusqu'à ce jour sur la chaîne. Regardez-moi cet engin de la mort, il est juste magnifique. Et petite saloperie de toile d'araignée. Va. Vous l'avez vu, on est sur un fat bike. Alors, on est sur un fat bike, oui et non. On est sur un mi-fat bike, puisqu'on n'est pas sur du 4 pouces de large, mais on est sur du 3 pouces de large. Par contre, on est sur du 26 pouces de circonférence. Eh bien, laissez-moi prendre mon téléphone, puisque comme d'hab, j'ai pris pas mal de notes. Oh, putain, mais c'est pas vrai, il y a des toiles d'araignée de partout ici, ouais. Écoutez, ça commence rudement bien, il y a une saloperie d'araignée qui vient de me grimper dessus. Ah, puis je déteste ça. Bon, c'est pas grave, on a mis la veste de côté, de toute façon, il fait chaud aujourd'hui. On se croirait carrément presque en été, les mecs. Bon, peut-être pas en été, mais au moins au printemps. Alors, on part sur le modèle Shang Milo MX05. Shang Milo, j'ai déjà testé sur la chaîne. Moi, personnellement, j'avais le Shang Milo MX20. Et j'avais fait pas mal de bornes avec, franchement. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette marque de vélo. Et bah, voyez, aujourd'hui, on part sur le MX05. Alors, rien à voir avec le MX20, puisque le MX20, c'est plus ce genre, comme je les appelle, fat bike type balade. Un petit peu genre BMX et tout, vous voyez. Guidon bien droit, guidon qui se lève, celle qui se lève et tout. Les vélos qu'on voit un petit peu partout sur les bords de plage. J'adore vraiment ce type de design pour chiller, faire des balades tranquilles. Ils sont vraiment très très bien. Alors donc, on l'a vu, pour les pneus 3 pouces de large, 26 pouces de circonférence, on part sur une batterie Samsung 48 volts 17,5 ampères. Donc une bonne batterie, une batterie bien sûr que vous allez pouvoir enlever du vélo, ça va être une batterie amovible, vous allez pouvoir la recharger chez vous tranquillement, ou bien vous allez pouvoir la recharger directement sur le vélo, puisqu'il y a une petite écoutille juste en bas. Bien sûr, vous avez les clés pour loquer la batterie, il y en a deux, c'est les mêmes. Moteur Bafang sur la roue arrière, 500 watts, capable de faire des crêtes jusqu'à 1000 watts, donc ça va être à l'aise pour monter des pentes, hein. Là j'ai monté la côte de la mort, celle que je monte d'habitude, franchement, facile. D'ailleurs, vous allez pouvoir monter des pentes allant jusqu'à 35 degrés avec le vélo. Eh bien, ça ne m'étonne pas, vu celle que je viens de monter. À l'arrière, on va retrouver un dérailleur 7 vitesses Shimano. Pas de plateau sur ce fat bike. C'est bien souvent le cas sur tous les fat bikes, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, il n'y a jamais de plateau. Alors, sur un VTT classique, il y en a bien souvent, voire presque toujours. Mais sur les fat bikes, il y en a jamais. En tout cas, j'ai encore jamais testé un fat bike avec des plateaux, les mecs. Bon, honnêtement, vraiment pas besoin de plateau, hein. À moins que vous voulez vous envoler sur la lune, mais voilà, même en vitesse 5 à fond avec le vélo, j'ai pas mouliné. Donc en fait, on est vraiment sur un grand plateau. Vous voyez, enfin, c'est quelque chose, il y a vraiment pas mal de résistance. C'est pas un petit plateau où vous allez mouliner, c'est vraiment un grand plateau. Et donc clairement pas besoin de plateau sur celui-ci. Quand il y en a d'autres, je trouve que ça leur manque un petit. Là, c'est nickel. On va parler de la vitesse maximum qui est annoncée pour 42 km/h. Moi, personnellement, j'ai eu aucun problème pour monter à 46 km/h sans forcer sur la pédale. Donc juste, voilà, en pédalant comme un flamant rose. La vitesse 1 va vous assister à peu près jusqu'à 20 km/h. La vitesse 2, 25. La vitesse 3, 33. La vitesse 4, à peu près 40. Et pour ma part, la vitesse 5, 46. 46, 47. Ce qui me fait rebondir sur le fait que vous avez 5 vitesses au niveau de l'assistance électrique. 3 modes de conduite. Bien sûr, le mode sans assistance électrique, sans rien, vous allez pédaler comme un VTT basique. Alors attention, puisque ça va être assez lourd, le vélo fait tout de même 32 kg, donc il est pas si léger que ça. Bon, c'est pas insurmontable. Vous avez bien sûr le mode pédalage assisté avec 5 vitesses comme je vous l'ai dit, et vous avez le mode électrique pur puisque vous avez une poignée d'accélération juste ici. Avertisseur sonore électrique s'il vous plaît. Alors il est pas très puissant, hein. Voilà, il est suffisant. C'est voilà, c'est une sonnette de vélo. Franchement, c'est un klaxon de vélo. Quand sur certains, ils te foutent un klaxon de TGV là-dessus, là, c'est à coup à foutre un poids lourd en l'air qui se fout dans le fossé. Là, franchement, c'est très doux. Il est voilà, il est pas très fort, mais il va être suffisamment fort pour que les autres cyclistes vous entendent. On a un bel écran LCD bien large, bien lisible, avec tout ce qu'il faut comme information dessus. Alors, c'est un écran LCD qui va, on va le retrouver sur pas mal de modèles de vélos, pas mal de vélos, de trottinettes comme ça de tête. Je sais qu'il est, je crois, sur la Varla Pegasus, la trottinette Varla Pegasus, qu'on a déjà testé sur la chaîne, bien évidemment. Et je l'ai retrouvé sur d'autres vélos également, je ne saurais vous dire les modèles. Mais voilà, c'est un affichage LCD assez commun qu'on retrouve sur pas mal de modèles de vélos.
et de trottinette. Dessus, bien sûr, on va retrouver le niveau de la batterie, on va retrouver la vitesse, on va retrouver le mode de pédalage assisté, donc la vitesse 1, 2, 3, 4 ou 5. On va retrouver les kilomètres que vous avez fait avec le vélo en tout et les kilomètres que vous avez fait depuis votre voyage, depuis que vous avez allumé le vélo. C'est mieux. Bien évidemment, ça va venir se brider, débrider très facilement. Hein. C'est plus à l'ancienne où fallait ouvrir le cadre, faire une soudure sur un fil. Ça, c'était il y a longtemps, les mecs. Hein. Sur les premières trottinettes, je m'en souviens, les Xiaomi M365, si vous voulez les débrider, c'était comme ça. Fallait faire une espèce de soudure et tout. Voilà, là, aujourd'hui, tu rentres dans les programmes, tu cliques sur un bouton, il est bridé ou il est débridé, comme tu veux. Là, personnellement, il est arrivé débridé. Bah, moi, je l'ai laissé comme ça. Il me convient très bien. Si vous voulez rouler à 25, vous vous mettez en vitesse 2 et puis bah, c'est parfait. Vélo, vous le voyez, totalement suspendu, amortisseur avant, amortisseur arrière. Alors amortisseur arrière plutôt sur le centre. D'ailleurs, bon là je suis passé dans le chemin, je trouve que ça secoue beaucoup les mecs. Mais alors bon, je pense qu'à mon avis le vélo est tout neuf, hein, il sort du carton à l'instant, donc je pense qu'il faut que ça se fasse, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, ça fait pas pour l'instant, ça amortit pas bien bien. Je trouve qu'elle est vachement raide, la suspension ici. Alors peut-être un réglage à faire, c'est possible. Ou alors voilà, avec l'usure, bah au bout d'un moment, peut-être que il va commencer à rebondir un peu plus. Mais là tout de suite, c'est vrai que dans le chemin, j'ai trouvé que ça secouait pas mal, hein. L'amortisseur avant, il fait très bien son taf. Franchement, il amortit bien. Celui-là, je suis un peu moins convaincu. Lumière avant, pas de lumière arrière, même pas un réflecteur les mecs, donc ça c'est dommage. Donc lumière à l'avant qui éclaire relativement bien, c'est pas la lumière que j'ai vu éclairer le mieux sur un vélo, mais c'est pas la lumière que j'ai vu éclairer le moins bien non plus. Voilà, elle sera très correcte pour que vous voyez ce qui se passe devant vous et vous faire apercevoir des autres véhicules. Mais c'est pas non plus un feu xénon. C'est vrai que voilà, il y a certains vélos, j'en ai vu même des petites ampoules, mon gars, elles pétaient à la mort les trucs, hein. C'est des pleins phares quoi. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière, des freins à disque qui sont très bien réglés, franchement j'y ai pas touché et ça marche très bien, c'est nickel. Petit point sur l'expédition, donc le vélo est arrivé nickel, hein, comme vous pouvez le voir, juste bon à l'arrière, il y a le porte-bagages qui a pris un petit peu, voilà, une petite éraflure. Rien du tout, c'est mineur. C'est des choses qui arrivent, mais sinon, dans l'ensemble, le vélo est arrivé nickel. Alors au niveau du design, vraiment, si je devais enlever quelque chose, c'est ces garde-boue, voilà. Je les trouve pas très jolis. D'ailleurs, je le trouvais même plus joli sans les garde-boue. Mais bon, je les ai montés. Voilà, ils sont livrés avec. Donc, vous avez un porte-bagages à l'arrière. Charge maximale sur le vélo, 150 kg. Donc, vous allez pouvoir monter des grands gaillards dessus. Il convient pour des personnes mesurant de 1,65 m jusqu'à 2 m. Ce qui nous laisse un large panel de personnes qui peuvent l'utiliser. Au niveau de l'autonomie, alors ça, c'est toujours variable. Hein, ça va dépendre du type de terrain que vous allez emprunter. Ça va dépendre du poids que vous faites. Ça, voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. Hein, du vent également. Alors, il a annoncé pour 40 à 50 km en mode électrique pur. Donc, je vous rappelle qu'on a quand même une batterie de 17,5 ampères à l'intérieur, ce qui est assez conséquent. Et en mode pédalage assisté, 80 à 90 km. Pourquoi pas? Là, tout de suite maintenant, j'en ai fait deux. Voilà. Donc, je suis loin des 80 ou des 90 km. Et on est bien. On tient le bon bout. Plus que 88. Temps de charge, 5 à 6 heures, ce qui reste dans la moyenne pour recharger un vélo de ce type-là. Bien sûr, cadre en alliage d'aluminium. Franchement, vous le voyez, design et tout, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais le vélo est super beau. C'est vraiment un des plus beaux vélos que j'ai vu. J'adore les petits reflets et tout là sur les petits stickers hologrammes. Il est vraiment magnifique. Et je pense que je vous ai tout dit sur ce vélo. Maintenant, il est temps d'aller faire un petit ride avec. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on est parti en ride avec le vélo. Putain, c'est nerveux les mecs, pour partir. J'appuie sur la poignée, il est parti le bordel. Et je suis en vitesse 1. Bon, pour vous dire que ça fonctionne bien. Je fais gaffe parce que bon, je suis dans un chemin où ça glisse un peu. Alors déjà, pour commencer, j'espère que je vais pas avoir de buée sur ma caméra. Voilà, parce que bon, elle est un petit peu capricieuse de temps en temps. On va sortir du chemin. Alors franchement, c'est agréable à conduire les mecs, hein. Mais comme je vous l'ai dit, ouais, ça secoue quand même, tu vois, pour un fat bike. Alors bon, après c'est pareil, je me suis gonflé à deux barres avant et arrière. Normalement, faut se sous-gonfler un petit peu avec des gros pneus comme ça. Je pense que ça s'entend, que ça secoue un peu, ça doit s'entendre dans ma voix. Mais ouais, normalement, faut se sous-gonfler un petit peu. Ah, ça y est, me revoilà sur le bitume. Donc ouais, déjà, j'espère que je vais pas avoir de la buée. Si vous voyez qu'au bout d'un moment, je suis flou, bah, c'est qu'il y a de la buée dans la caméra. Voilà, à chaque fois. Alors, au niveau de l'assistance électrique, les mecs, là, je suis vitesse 1 et je suis à, tranquille, quoi. Je suis à 17 km/h. Voilà, sans pédaler, hein. Alors, je pédale, mais vraiment, je l'accompagne, je fais le geste. Voilà, je suis à 17-18 km/h.
Et c'est largement suffisant pour de la balade. Si je veux me mettre à 25, hop, vitesse 2. Et là, voilà. Ça m'emmène, pareil, hein, juste en faisant le geste, ça m'emmène jusqu'à 25 km/h, 25, 26. Sans forcer. Bon, quand on part faire un petit ride comme ça, ça me permet toujours de vous parler de quelques trucs que j'ai pu oublier. Comme par exemple le tarif, bah oui c'est important quand même. Et donc on est sur un vélo affiché à 1500 €. Alors 1500 €, mais vous pouvez facilement trouver des promotions dans les 1300 €. Comme par exemple en ce moment sur le site officiel de Shengmilo, bien sûr. Vous avez le lien dans la description. Attends, je vais me remettre vitesse 1 parce que vitesse 2, je trouve que ça va déjà trop vite. Donc voilà, 1500 € pour un vélo comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Alors bon, 1500 €, mais là, comme je vous le dis, voilà, vous allez trouver des promotions dans les 1300 €. 1300 €, ça commence vraiment à devenir très intéressant. Pour un fat bike de ce type, alors je dis fat bike, oui, on est sur des pneus de 3 pouces de large, mais pour un vélo avec des caractéristiques comme celui-ci, grosse batterie de 17,5 ampères quand même, c'est pas rien, moteur de 500 watts, on est quand même sur des grosses spécifications quand même. Alors sachant qu'un vélo comme ça, bon, j'aime toujours faire la comparaison, hein. Un vélo comme ça, vous allez le retrouver à Intersport à 3000 €, 2990 euros pour être exact, puisque je fais toujours les comparaisons, des fois je vais faire un petit tour comme ça, voilà, et je suis passé, j'ai vu le même les mecs, encore une fois, ça y est, ça va repartir sur un coup de gueule, mais non, non, on va se calmer avec ça. Et puis toi aussi, tu te calmes. On va se calmer avec les coups de gueule, je pense que j'ai assez gueulé comme ça. Mais voilà, la dernière fois, le même Intersport, à côté de chez moi, 2990 €. Les mêmes caractéristiques, le même vélo, tout pareil, les mecs, floqués sous le nom d'une autre marque. Alors on va me dire, oui, mais tu fais pas tourner l'économie française et tout. Bah écoutez les mecs, moi personnellement, j'ai pas 3000 balles pour faire tourner l'économie française. Donc à défaut de les avoir, bah je fais tourner l'économie de Pékin. Oh putain, les mecs! Voiture sans permis. Ouais, je le fume. Oh, mais je le suis. Bah, c'est pas grave, je tourne avant, mais je suis déjà à 50 km/h, les mecs. Je le suis à l'aise. Je le suis à l'aise. Putain, par contre, j'arrête, je tourne là. Alors, juste, est-ce que les inondations sont finies par ici? Parce que normalement, c'est par là que je vais faire du vélo. Mais bon, ces derniers temps, c'était un peu inondé. Bon, là, comme ça fait quelques jours que ça n'a pas plu. Hey, et c'est bien qu'on pourrait repasser dans le coin. Bon, ouais, vite fait, hein. C'est quand même pas mal inondé. Là, ici, la dernière fois, je pouvais pas passer, les mecs. Là, je pouvais pas passer. Ici, c'était plein d'eau, là où je suis. Bon, là, c'est encore plein d'eau en face, hein, vous le voyez. Mais n'empêche que là, ici, là où je suis, c'était impraticable. Et ben là, maintenant, on peut y aller, tranquille. Bon, il y a toujours quelques inondations, mais ça va. Bon, sinon les mecs, niveau confort, la selle, elle est un peu raide quand même. C'est quelque chose que je changerais. Franchement, je partirais sur un changement de selle. Après, ça dépend, ça convient à certaines personnes, ça convient pas à d'autres, voilà. Moi, il me faut une selle bien molle pour mon petit fessier, tu vois. En général, c'est quelque chose que je conseille direct de changer sur les vélos. Après, ça dépend des marques, ça dépend. Là, quand vous vous dites, les mecs, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était totalement inondé ici. Totalement, totalement. Bah d'ailleurs, ça se voit rien qu'à la gueule du champ. Ça fait super longtemps que j'ai pas pu passer par ici, les mecs. Bon, c'est encore bien inondé quand même, hein. Mais ça va, ça reste praticable. Donc ouais, la selle a changé. Et c'est vrai que cette suspension là, la suspension arrière, les mecs. Alors, elle fait le taf. Voilà, elle suspend. Voilà, d'ailleurs on l'entend, mais je pense qu'il faut qu'elle se fasse. Voilà, c'est vraiment parce qu'elle est toute neuve, tu vois, c'est... Voilà, le vélo sort tout juste du carton. Ah bah là, par contre, les mecs en face, c'est mort. Voilà, on va s'arrêter là. On va faire demi-tour. Ouais, là, c'est pareil, c'est inondé. Bon, on aura pu aller un petit peu plus loin aujourd'hui déjà. Là, c'est totalement inondé, les mecs. Ouais, je tente même pas de passer avec le vélo ou quoi. Ouais, je suis sûr, je pourrais passer. Oh putain, il y a toujours des araignées là, ils me font chier ces petites araignées. Bon, en vrai, je pourrais passer, mais voilà, je vais pas, voilà, c'est pas très très profond, mais je vais pas tenter le diable. Voilà, ce qui me permet, et eh ben voyez, regardez, je vois de l'eau, ça me permet de vous dire que j'ai encore oublié quelque chose sur le vélo. Ça me permet de vous dire que le vélo est étanche IPX4. Alors, encore une fois, et comme d'hab, ça va pas vous permettre de faire de la plongée sous-marine, mais vous allez pouvoir rouler sous la pluie, voilà. Sur le bord de mer, sur la plage, tranquille, tu vois.
Voilà, marée basse, bien sûr. Enfin, je pense que vous l'avez déjà compris. Bon, en tout cas, franchement, il est très agréable à conduire, les mecs. Et c'est surtout ce plateau-là qui est super agréable. Parce que, je sais pas, mais d'habitude, en général, sur les fat bikes, bah moi, sur tous ceux que je teste, c'est un plateau qui est plus petit. Le plateau, il est plus petit. Et donc, il y a beaucoup moins de résistance. Ce qui fait que dès que tu arrives à 40 km/h, tu moulines, mon gars. Mais tu moulines, tu pédales dans la semoule. Alors que pas là. Là, tu pédales pas dans la semoule. Mais même en roulant à 50 km/h, là, tout à l'heure, quand je suivais la petite voiturette, eh ben, je moulinais pas. Voilà. Ça me faisait pédaler vite, mais je moulinais pas. Vitesse 1, alors bien sûr, je suis sur la plus petite vitesse, hein, c'est-à-dire la 7. Voilà, celle qui a le plus de résistance. Je sais pas si vous vous rendez compte, à la vitesse où mes jambes vont, bon, là, je pédale pas. Hein. Clairement, je ne pédale pas. Je fais le geste, quoi, tu vois. Voilà. La petite montée, par exemple, je suis à 15 km/h. Et voilà. Ça. Je pédale très doucement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la résistance à la pédale. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est l'effet du gros plateau qu'on a sur le vélo. Alors bien sûr, bah, j'ai pas mon casque, les mecs. Je l'ai oublié. D'habitude, je l'ai toujours. Mais là, je suis parti de la maison sans le casque. Donc évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Je ne suis pas un exemple. Et d'habitude, je l'ai toujours. On va tester une petite pointe vite fait. Bon, on est en montée, hein. 30 km/h sans problème et je force pas, les mecs. Hein. 40. Donc là, je suis en montée. Je suis en montée, donc 40. Et je force pas et je mouline pas surtout. Je ne mouline pas du tout. Voilà, je suis à 36 dans la montée. Là, je force un peu sur la pédale. Voilà, je peux monter sans problème. Ouais, 45. 45. Et je mouline pas du tout, même à 45 là. Regardez, là je pédale tout doucement, franchement, et je suis déjà à 32 km/h dans la montée. Je suis en montée en plus. Non, franchement, ce vélo, il est super agréable. Là, vitesse 2, sans forcer, je suis à 25 km/h. Donc voilà, si vous voulez rouler à 25, bah vous restez en vitesse 2, les mecs. Voilà, comme ça, vous roulez à 25. Bon, en tout cas, je vais me rentrer tranquillement. Ça va être la fin de la vidéo. J'ai... Putain, ça se coupe quand même pas mal. Hein. Je vous dis, je pense que cette suspension-là, la suspension du milieu sous le cadre, faut qu'elle se fasse. Faut qu'elle se fasse parce qu'elle est très raide. Donc là, voilà, forcément, le vélo sort du carton, comme je vous le dis. Donc voilà, là, actuellement, j'ai fait 7 km avec. Mais à mon avis, une fois qu'elle se fait, je pense que ça devient plus agréable à conduire. Ou alors, suffit de faire un petit réglage sur la suspension, je sais pas. J'ai pas testé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez laisser un petit commentaire. Si vous voulez, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner également pour connaître la suite des vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur le Shengmilo MX5, comme d'hab, je vous mets un petit lien dans la description. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !